nous faisons parisien et bien entrer Tomazo. Donc on a dit que la population accueille nous favorablement et nous voyons que nous avons un désir pour porter masque et nous même avons encouragé davantage. Donc, et m'accompagner là dans l'ensemble d'autorités, je ne suis pas sur l'autorité là. Moi gagne beaucoup de moins, à droite de moins, le commissaire du gouvernement de la Croix des Bouquets, de l'arrondissement de Croix des Bouquets. Moi gagne secrétaire d'État à la population William Joseph Kavem. Moi gagne magistrat Thomas Jordem là. Moi gagne vice-délégué arrondissement là. Ça veut dire que et nous gagne d'autres élus locaux qui accompagnent nous et nous gagne protection civile. Thomas Okala, qui a distribué masque dans la commune. C'est-à-dire que son travail titanesque lié, mais son travail qui m'a dit tout, en pile engagement. Il faut gagner un amour pour faire. Je connais que nous recevons un pile critique dans les gens qui pour ça que le ministre dans la rue a un masque. Donc, je ne sais pas. Le ministre, là, avant que le ministre, son avec béton que le dit. On nous clair là-dessus. On nous dit. Son monde comme si la rue a été connue. Moi, pendant que le ministre, c'est ça, je m'avais une proposition de ministre et je ne vais pas sortir dans la rue. Alors, pendant que la population a un moyen, il a besoin de ministre, la population a besoin de masque pour le porter. Comme d'ailleurs, je suis dans le bureau seulement du lundi au vendredi, et puis bien costumé, et puis la population a souffert, a frappé de maladies, de virus qui est là, qui a fait fléau ça, maladie qui est là, le coronavirus. Fort de cela, moi-même, ma compagne est dans l'ensemble d'autorités. Donc, nous avons dit, si nous avons une question à poser, nous avons posé avec vous. Parce que nous avons la seule autorité là, comme ministre de l'Intérieur, le commissaire du gouvernement. Comment la population gagne dans nous avons dit jusqu'à présent un bon comportement. Et nous passons dans toute base où là, ça fait un plaisir. Nous passons dans une zone que j'ai dit que zone de non-droit. Nous passons à l'aise, nous avons un masque pour constater que nous avons un masque correctement. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que la campagne d'éducation et de sensibilisation va continuer à faire. En ce sens, parce que nous voulons les masques. La seule façon que nous sauver la tête, c'est le port du masque. Ça veut dire que ça. Deux maîtres mots que je vous dis, c'est précaution et prévention. Donc le port du masque, l'inscrit dans le cadre de bataille que le gouvernement a fait, dans la lutte contre le coronavirus, le gouvernement m'a dit de continuer pour des masques. Et le Premier ministre et le Président instruisent comme ça, c'est une structure formelle, mandé Mounio pour des masques. Donc, on ne peut pas appeler mon dieu masque, c'est parce que ça n'est pas la politique. C'est un bail de vie que lié. Là, on ne peut pas gagner mon dieu politique à ça. On a dit mon dieu, pas pour des masques, pour les gens qui mourent. Deux mille mourir, mourir net. Pourquoi pour encore? Et si vous avez la vote dans la prochaine élection que vous faites là, c'est demander mon dieu continuer pour des masques. C'est l'État, population là, on le fait aujourd'hui, à qui ce que nous visiter à l'arrondissement. Bon, nous là, aujourd'hui encore, c'est pour nous continuer le périple que nous avons fait. Des concerts avec le ministre intérieur dans le cadre de sensibilisation qu'il a fait pour nous continuer à vendre nous porter masque et respecter les gestes barrières, à savoir laver les mains et respecter la distance sociale. Donc c'est le même combat, c'est le même bataille qu'on a continué à faire dans l'esprit pour nous arriver à sensibiliser le maximum de monde dans la population pour éviter que nous ayons victimes dans la population. C'est la raison ça qui fait aujourd'hui. Nous sous arrondissement Croix des Bouquets. Dimanche dernier, nous étions dans la région des Palmes. Aujourd'hui, nous arrondissement Croix des Bouquets. Jean-Ministre en dit déjà, nous faisons déjà pratiquement 4 communes. Nous faisons Croix des Bouquets, nous faisons Gantier, nous faisons Fonds-Parisien, là, nous Tomazo. Donc, c'est le même travail-là qui a continué. Commissaire gouvernement, dans la juridiction, aujourd'hui, qui est nous même au niveau paquet non juridiction Croix des Bouquets a continué à faire pour être capable de sanctionner les gens qui n'ont pas appelé. Au fur et à mesure que nous remarquons que Mounio commençait conscient de la nécessité pour porter masque dans la figure. Et ça fait que je dis à nous là, pour nous sensibiliser toujours, pour ne pas baisser les bras, parce que maladie, hein, en s'y a trait avec l'épidémie, ça. Donc la fait rage, la tuer toujours. Et m'a dit que le ministre vient de charrier tout ce qu'il y a dans notre pensée, dans l'esprit et dans nos cœurs. Nous pas dit beaucoup de choses. Mais une seule chose, m'a dit que en ce qui a trait avec tâche nous et devoir nous en tant que commissaire du gouvernement, que nous connaissons très bien, il est là pour protéger les biens et les vies.
dans l'aspect de protéger la vie, eh bien, il est tout à fait normal que pour nous aider Mounio à comprendre la nécessité pour yo, en fait, protéger vie, yo. Eh bien, nous, là, je dis, hein, pour nous sensibiliser yo, et nous pérenniser jusqu'à ce que nous ne pouvons encore notre travail ça. Et nous disons ça. Tout le monde, il est grand temps, autorité, travail, c'est pas dans le bureau lié, c'est foulé béton. Le peuple a besoin de ça. Il a besoin que l'autorité même fonctionne avec lui. Il a besoin que yo unis. Il a besoin de sentir que nous-mêmes, eh bien, nous autres, nous avons emboîté les pas pour faire le travail qui nous ont dû. Effectivement, et c'est tout que j'ai à dire. Moi, ça nous comme nous dis à qui sentiment ou accueillir le ministère de la collectivité avec la population qui travaille au niveau la mairie de déjà fait pour accompagner la population. Ok. Et tout d'abord, nous disons bon Dieu merci du fait que protéger chaque monde pour être capable là. Et moi-même, matin, c'est un plaisir pour moi pour assister le ministre là, qui a fait un gros travail. Parce que le déplacement du ministre là, non seulement dans le cadre de COVID-19 là, mais même ça qui est important pour moi, c'est du fait que la passé dans la section, là pour avoir deux problèmes qui existaient. Problème côté route qui pas bon. Et dans la route qui pas bon, lui-même, là, il y a la gel. Problème nous gagnons dans la commune, lorsque toute autorité là ensemble, commissaire gouvernement là, ministre là, secrétaire d'État là, je pense que c'est un paquet de bagages, du fait que nous gagnons et pas bon ici, nous gagnons sous nous. Ils ont pas chômé. Ils ont toujours, malgré tout appel, ils ont même pas chômé. Ils ont toujours continué à vivre comme à l'ordinaire. Et c'est même gens tout pour le club. Yo. Le soir, ils ont fonctionné comme à l'ordinaire. Donc, ministre, nous avons un vice-délégué, nous avons un commissaire gouvernement qui a pris notre là, je dis, à partir de jour ça, pour qu'il y ait des interventions qui peuvent faire pour les gens qui connaissent. Lorsque le ministre a déplacé, moi, je déplace nous tous ensemble. Ce n'est pas en merde, nous venons m'aider, mais c'est une question de protéger la vie. Et bien, si c'est vie à protéger, et bien, c'est normal pour nous venir, pour nous sensibiliser, pour que vous compreniez la question, vous dit pas une réalité, maladie n'est pas un bagage réel, là, pour vous même vous connaissez son réalité, pour vous protéger la tête. Donc, ministre, ça a plus force pour pouvoir continuer le travail. Bien sûr, présence libre, bah, plus force, et présence commissaire gouvernement, et toute autorité qu'il a, et secrétaire d'État, vice-délégué, et protection civile, toute autorité déléguée ville qu'il a, je pense que son force en plus, puisque c'est le ministère tutelle là, qui accompagne nous pour nous montrer et nécessité pour que nous mettions ensemble pour nous encourager à faire travail là pour que nous ne pas arrêter dans l'ignorance. Donc moi-même, je pense que c'est un gros coup de chapeau pour le ministre là, qui débarque avec l'équipe là, parce que je pense que l'arrivée dans le bureau, il va réfléchir à Tomazo, il va réfléchir à Gantier, il va réfléchir avec. Connion pour quoi aller, font verre pour quoi aller, parce que là on passe les deux arrondissements, puisque moi-même tout, moi c'est le président Amala qui gagne 4 communes à la donne, association des municipalités de l'air du lac Azéi. Je pense que là, il est capable de protéger avec l'association ça pour permettre qu'il y ait des problèmes dans l'arrondissement qui est capable de résoudre. Donc moi je pense que c'est un gros bagaille et nous remercions le ministre. Continuez comme ça, ça va porter plus dans la collectivité. Je te résume tout petit vice-délégué à l'arrondissement. Charles-Louis Clermont. Pour dévoquer de Charles-Louis Clermont. Le ministre de l'Intérieur, qui est dans l'arrondissement. Bon, pour d'abord, je remercie le ministre, le secrétaire d'État qui est là, magistrat, et qui était toujours tant d'appels. Moi, tout le temps, je dis que l'arrondissement, c'est un arrondissement qui a un pile problème qui besoin plus d'accompagner. Et dans ce souci, ça, dans la campagne, le gouvernement a fait pour COVID-19. Là, et nous avons accompagné l'autorité de l'État, le ministre, tout le monde, nous avons constaté à 2 heures, puis comment le magistrat a fait cette situation. Mais le magistrat m'a remercié tout. Ou c'est un magistrat qui est dans l'arrondissement qui fait sensibilisation. Merci. Je suis vous, l'autre, avec le ministre qui n'a jamais chômé. Et puis je suis dit, ministre, qu'il y a tel problème là, qu'on vous fait, il toujours tient pour accompagner la population, à tout le gouvernement, à tout le travail. Le dernier mot à me dire, c'est merci la presse pour présence là. Parce que sans la presse, nous mettons commencé parler depuis le matin jusqu'à nous mettons commencé faire travail ça du matin jusqu'à soir, on va gagner mon balconet.
Je dis la presse merci. Et je dis la presse que la presse continue à accompagner. Accompagner tout gouvernement, toute autorité que là. Et tout gouvernement pour la presse continue à accompagner, nous pour continuer à faire travail là. Pour travailler arriver à une population, la population connaît que le gouvernement Paris est bras croisés, le gouvernement travaille là sans gouvernement. Merci beaucoup. Ministre Odin Fils Benadel, nous connaissons un débat. Directement d'après le président Jovenel Moïse, a fait un débat dans la société. Ou même quand on est politique, qui a pression sur ça? Bon, la durée du mandat du président, tout le monde est clair. Il y a 5 ans. 5 ans, ça veut dire quoi? Gouvernement, président, il a participé à l'élection. Il est élu. Comme tous les autres élus qui font mandat. Le président fait mandat par là. Inévitablement, 5 ans. Ça veut dire que 7 février 2022. Fini. Ok. C'est l'approche avec métier.